Pour sa 7e édition, le Passe-Sport revient sur l'agglomération de Lens-Liévin. Une aide financière pour les jeunes qui souhaitent s'inscrire dans un club sportif. Alors, il a vocation justement à accompagner les familles pour la pratique sportive et notamment en payant moins cher une licence, puisqu'on les accompagne à hauteur de, je le rappelle, 30 euros, mais aussi de développer la pratique sportive, puisqu'on en parle toujours. Il y a le sport, mais il y a la santé aussi, et donc sport-santé s'allie, et donc c'est toujours un complément, et c'est ce qu'on met en place avec les multitudes d'actions qu'on a déjà développées au niveau du sport, de la santé sur notre territoire. Sur l'agglomération, plus de 200 clubs adhèrent à ce dispositif. Le judo est l'un des sports favoris sur le territoire, avec 30 clubs et 1793 licenciés. À Arnes, le passe-sport est une aide incontournable. Oui, c'est un atout financier car maintenant on sait qu'il y a pas mal de jeunes qui voudraient pratiquer un sport et ce qui leur fait un frein, c'est le coût. Et grâce à la CAL, tous les jeunes de la CAL, moins de 18 ans, ont la chance de pratiquer. Alors pour être un bon judoka, il faut avoir les différentes qualités physiques nécessaires pour faire du judo. Il faut être assidu aux entraînements, avoir un bon mental et avoir de l'abnégation, savoir perdre pour réagir et gagner demain. Au club de tir à l'arc de Vingles, 28 jeunes sont licenciés et 50% adhèrent au dispositif. Souvent, on nous pose beaucoup de questions pour savoir s'ils y ont le droit, s'il y a des conditions d'accès, etc. On leur explique et les gens reviennent du coup la semaine d'après avec le bon ou nous l'envoient par mail si vraiment s'il y a un souci. Mais oui, c'est vraiment très bien perçu et les gens sont très contents d'avoir cette réduction supplémentaire. Je viens m'aligner et je décoche. Alors chez nous, en fait, la licence jeune, c'est 90 euros. Mais c'est vrai que 30 euros, quand on a plusieurs enfants en plus, il y a beaucoup de familles, ils sont vraiment ravis. L'an dernier, ce sont plus de 13 200 jeunes qui ont bénéficié du passe-sport. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'agglomération.